Il publie chez Gallimard « La défaite de l'Occident ». En le rencontrant, évidemment, c'est à la fois l'homme qui cherche à penser autrement, penser de côté, penser contre les idées toutes faites. Et en venant à sa rencontre, je songeais, je dois vous le dire, à cette phrase que l'on prête au rabbin, « Si une idée est approuvée par 90% des gens, c'est qu'elle est fausse ». On pourrait dire d'Emmanuel Todd qu'il agrippe ce précepte et nous invite à penser les choses autrement. Alors avant de parler de ce nouveau livre qui fait beaucoup parler, qui fait formuler beaucoup de critiques et à l'intérieur duquel, disons-le franchement, le protestantisme tient une place, c'est aussi la raison pour laquelle nous sommes heureux de le rencontrer, eh bien nous allons parler quand même de son parcours. Cher Emmanuel Todd, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'accueillir Fréquence Protestante dans les locaux de votre maison d'édition, Gallimard, pour parler de ce nouveau livre, La défaite de l'Occident. Mais avant cela, je voudrais vous demander quand même si la mémoire familiale n'irrigue pas toujours et encore votre, non pas votre état d'esprit, mais au fond votre sensibilité. Bah, oui, c'est-à-dire moi je suis très loyal envers mes ancêtres et d'ailleurs... Vous venez de parler de, comment dire, d'une attitude comment dire, conflictuelle vis-à-vis des idées en place. C'est pas comme ça que je vis les choses. J'ai plutôt le sentiment, dans mon travail, d'être fidèle à éthique de vérité et de travail qui sont dans l'histoire de ma famille et qui certainement me permet de résister à la pression de l'environnement. Ma famille, ma mère, le premier livre publié dans l'histoire de la famille est un livre de Simon Lévy, mon ancêtre direct, qui fut grand rabbin de Bordeaux. Il s'appelle Moïse, Jésus et Mahomet, et qui est une défense et illustration du judaïsme. Et donc je suis, sans être particulièrement militant dans un sens ou dans un autre, je suis un peu protégé par... le lignage de la pression du milieu environnant. Mais ce livre n'est pas fait pour contredire, il est fait pour comprendre. Il est fait pour comprendre ce qui se passe. Et si je suis souvent en conflit avec l'environnement, c'est parce que on vit par définition dans un monde idéologique, et que le travail du chercheur, naturellement, met en conflit avec l'idéologie. Donc je pourrais énumérer les sujets sur lesquels j'étais en conflit avec 90% des gens. J'étais très heureux que vous commenciez par le Talmud. Et ces sujets sont très variés et n'ont pas forcément de rapport entre eux. C'est-à-dire que moi, j'évolue dans mon modèle historique que je construis... depuis près d'un demi-siècle, et la construction de ce modèle historique me met à intervalles réguliers en conflit avec mon environnement. Et là, les gens me traitent de pro-Poutine, de poutinophile, d'agent du Kremlin, d'empêcheur de danser en rond. Mais en fait, moi, je suis toujours dans la construction de mon modèle historique, et ce livre représente, de mon point de vue, pas du tout un ultime défi à mon environnement. Ça va être mon dernier bouquin. J'en ai marre de travailler. Je tiens. Oh, quand même. Non, j'en ai marre. J'ai 72 ans, ça va comme ça. J'ai donné. Et ce livre, pour moi, représente aussi l'aboutissement d'un demi-siècle de recherche. Et dedans sont tous les thèmes de ma recherche. Et je pourrais dire, dans ce livre, par exemple, puisque vous avez fait allusion à la place, en fait, pas importante, mais centrale du protestantisme dans le livre, je pourrais dire, et ce qui est très important pour moi dans ce livre, au-delà de l'explication de la guerre d'Ukraine et de l'échec occidental, c'est les avancées théoriques et explicatives dans le domaine religieux, et je dirais qu'on dit souvent... et justement que je suis spécialiste des structures familiales et que j'utilise toujours les structures familiales dans mes explications. En fait, si on regarde ce livre, la variable centrale est la variable religieuse, pas du tout la variable familiale.
Alors, deux éléments en effet très importants dans vos recherches. Hein. Évidemment, la variable religieuse, vous venez d'en parler, et préalablement la variable familiale. Je me permettrai de vous en soumettre une autre de variable. J'allais dire presque une constante, et qu'on retrouve dans ce livre, c'est le croisement. Vous avez, avec Hervé Lebras, réalisé un livre extrêmement original, audacieux, drôle, j'allais dire. Au milieu, je crois, c'est 76 ou 78, à moins que l'édition de poche ne me trompe et date de 80, c'est L'invention de la France. 81. Très, très joli livre que je recommande encore à nos auditeurs, et dans lequel, avec Hervé Lebras, c'est vrai, mais on le retrouve ici, vous croisiez des informations pour établir des cartes, mais aussi pour déduire un certain nombre d'éléments d'observation. Alors, évidemment, je vais faire mon sein de bœuf ici, et c'est toujours risqué, mais tout de même, n'y a-t-il pas là une certaine influence de votre histoire familiale ? Ah ben, non, dans le croiser des variables, mettre en rapport des variables, c'est le boulot du chercheur. Hein. C'est vrai. C'est le boulot du chercheur, et moi je suis un chercheur. C'est-à-dire maintenant je suis classé intellectuel. Mais moi, très longtemps, bon, ça va, je peux... Ça n'est pas antinomique. Oui, mais longtemps, j'ai milité pour dire, non, je ne suis pas un intellectuel, moi, je suis un chercheur. Bon, maintenant, ça va, on est en France, la France veut avoir des intellectuels, je plie à la loi du pays. Mais pour moi, faire de la recherche, c'est... D'abord, c'est très laborieux, ça prend du temps, il faut des données, et ensuite, on croise ces données. Et en fait, ce livre, La défaite de l'Occident, si on regarde attentivement, est rempli de données. Vous voyez, c'est-à-dire que... C'est vrai, mais vous les croisez. Mais vous les croisez. Oui, mais ça, c'est juste normal. C'est mettre... Vous dites croiser, mais je pourrais dire mettre en rapport. Oui, je crois c'est quand je fais de la cartographie. Exactement. Donc, à la fin du livre, là, par exemple... au début, à la fin du livre, on pourrait dire que j'ai appliqué ma méthode cartographique habituelle. Donc j'ai pris des cartes d'Ukraine et j'ai fait une découverte dans le livre qui était vraiment quelque chose d'important. Donc j'ai bien entendu retrouvé dans les cartes du vote des élections de 2014 la division de l'Ukraine en zones ukrainophones et russophones sur le plan politique. J'ai repéré... je dirais, la mise en silence des électeurs russophones par des taux d'abstention spécifiques qui me permet de dire, et ça n'est pas polémique, que l'Ukraine n'est pas une démocratie, au sens classique en tout cas, puisqu'une partie de la population ne peut plus s'exprimer, ou ne pouvait pas s'exprimer avant la guerre. Mais j'ai aussi trouvé des cartes de la diminution de la population, et particulièrement de la population urbaine, qui montre un effondrement particulièrement important à l'est de l'Ukraine des populations urbaines, c'est-à-dire des classes moyennes ou du monde ouvrier. Et je comprends comme ça l'affaiblissement politique de l'Ukraine russophone. Et je comprends que si vous êtes... dans le monde des classes moyennes russophones en Ukraine, dans une Ukraine qui fait faillite économiquement, dont la société se décompose, et si vous êtes proche d'une Russie qui est en train de redémarrer, vous partez en Russie. Voyez. Et là, effectivement, on pourrait dire, pour revenir à votre remarque, que j'ai croisé des cartes. De même, je refais la même chose à la fin du livre. Je refais parce qu'on ne se refait pas, c'est vrai. J'essaie de comprendre le soft power russe conservateur. Oui, ça. Et je compare une carte de la, ce qu'on appelle en anthropologie la patrilinéarité, c'est-à-dire. Est-ce que vous pouvez expliquer? Oui, c'est-à-dire que c'est vraiment réduire l'anthropologie au plus simple. J'ai presque honte de faire ça, mais il faut. Hein. Bon. En Occident, à l'Ouest, et particulièrement en France, aux États-Unis et en Angleterre, et en Scandinavie, on a ce qu'on appelle des systèmes de parenté bilatéraux, dans lesquels les parents du côté de la mère et du côté de la mère et du père ont des poids égaux, et dans lesquels, en conséquence, la famille et le ménage sont à dominante nucléaire.
Et c'est le monde qui a produit l'individualisme et le féminisme aussi, le plus actif. Et puis, dans ce qu'on appelle de plus en plus le reste du monde, je simplifie, hein, on va trouver des systèmes qui sont à un degré ou à un autre patrilinéaires, c'est-à-dire dans lesquels la parenté paternelle pèse beaucoup plus lourd. De façon, l'Allemagne et le Japon et la Corée seraient dans des situations intermédiaires. Mais la Russie, la Chine, l'Inde, l'essentiel de l'Afrique et le monde arabo-persan ont des systèmes patrilinéaires. Bon, donc j'ai cette carte. J'utilise d'ailleurs les recherches les plus récentes sur le sujet. Les références sont dans le livre. Et puis je compare à la carte une autre carte faite aux États-Unis de l'homophobie. Et on voit une superposition. Et donc on voit que le discours homophobe du régime Poutine, en dehors du fait qu'il correspond à l'évolution de la société russe, qui allait vers plus de libéralisme, tout en étant assez homophobe, et qui a réagi dans une sorte de réaction hyper-conservatrice contre l'Occident, mais on voit que chaque fois que la Douma passe une loi homophobe supplémentaire, elle ne se ridiculise pas aux yeux du monde. Elle fait de la Russie un pays très attractif pour tous les homophobes de la planète. J'ai envie, une très mauvaise plaisanterie me vient à l'esprit, homophobe de tout pays, unissez-vous. Oui. Donc en fait, la Russie est passée prolétaire de tout pays, unissez-vous, à homophobe de tout pays, unissez-vous. Mais là aussi, il y a un jeu de superposition de cartes. Oui. Alors, ce que j'appelle le croisement, en fait, c'est plus une association, non pas d'idées, mais de données. On pourrait dire ça comme ça. Oui. Je n'ai pas d'idées. Je suis un empiriste. D'intuition, peut-être. Oui, mais ce n'est pas péjoratif. Tout chercheur doit avoir une intuition avant de se lancer. Mais j'en ai déjà parlé et j'en reparle parce que c'est important. Moi, ma façon de travailler, c'est lire. 90% de mon temps, c'est lire. C'est pas écrire des livres ou avoir des idées. C'est de lire, compulser des statistiques, trouver des données. Et puis tout ça s'accumule. Et je le dis en riant qu'à moitié, j'ai constaté empiriquement que j'ai des idées dans des phases de dépression. Et en fait, pour moi... Des dépressions personnelles ou collectives ? Pas grave, mais non. Ça peut être de coups de mou. Vous voyez, je n'évoque pas le genre de dépression qui vous met sous antidépresseurs. Dire une dépression de terrain, tout simplement. Oui, un truc comme ça. C'est-à-dire, et en fait, je suis quelque part au fond de moi-même, mais je suis sûr que d'autres chercheurs fonctionnent différemment. Je ne dis pas que c'est... Mais je sais que, dans mon cas... Avoir une idée est associée à un moment de dysfonction, en fait. C'est-à-dire les choses sont... C'est comme si les cartes doivent être rebattues dans mon cerveau, et les choses... Et tout d'un coup, on voit des associations. Mais donc, je ne vis pas du tout le fait d'avoir une idée comme un truc splendide qui ferait de moi... Un Archimède. Un être supérieur. Mais au contraire... Comme, j'ai eu pas mal d'idées, finalement, mais peut-être c'est juste une manifestation d'une névrose quelconque. Vous voyez, c'est tout. Je crois que je vois. Mais alors, je me mets à la place des auditeurs et je me dis... ils se disent, mais attention, on parle d'Emmanuel Todd, enfant, adolescent ou jeune adulte, ou on parle de son livre « La défaite de l'Occident ». Alors, je vous propose qu'après ce préambule assez... Parlons du livre. Assez riche, mais je suis têtu, je vais repasser par la fenêtre. Mais c'est une façon de parler du livre que de parler de vous. Vous avez opposé les âges de la vie. Mais je les ai énumérés. Mais pour moi, le bon chercheur est quelqu'un qui reste un enfant. Parce que l'enfant, c'est l'être humain dans son état où il regarde le monde sans comprendre comment ça fonctionne. Il se pose des questions. Et pour moi, peut-être il n'y a que moi, le type qui est un chercheur et qui reste un bon chercheur, c'est le type qui n'en finit pas de se poser des questions sur la façon dont les choses fonctionnent. Je peux même vous donner
la première hypothèse scientifique de mon existence d'enfant. Alors, avec joie. Voilà, donc j'étais dans une grande allée avec des arbres qui ont été emportés par je ne sais plus quelle tempête, dans le parc de Saint-Germain-en-Laye, ma ville natale. Et je voyais ces arbres immenses s'agiter, et il y avait du vent. Et j'étais, très logiquement, arrivé. Donc, vous avez, c'était ma première erreur de corrélation, si on peut dire, puisqu'on m'accuse toujours de confondre corrélation et causalité. Je vais donner des armes à mes détracteurs. J'étais arrivé à la conclusion imparable que les arbres, en s'agitant, fabriquaient le vent. Ah, mais alors, formidable! Non, mais je ferai remarquer que moi, je ne vous accuse pas. Mais je vous pose des questions. Je vous en supplie, passons au livre. Non, mais c'est une façon de parler du livre aussi. Un petit mot quand même. Vous dites être un bon chercheur, c'est rester un enfant. C'est vrai aussi d'un journaliste, vous ne croyez pas? Ah, je ne définirai pas les. Je suis fils d'un très grand journaliste et petit-fils d'un journaliste, Paul Dizan. Et c'est d'un autre métier, ça n'est pas à moi d'en parler. Bon, très bien. Mais donc, parlons du livre, La défaite de l'Occident. Oui. Tout de même, un titre, c'est un baptême. Vous indiquez quelque chose. Oui. Est-ce que vous diriez que ce livre est un livre pessimiste? Non, en fait, et d'une certaine façon, ça n'est pas mon problème. Un historien n'est pas un idéologue, donc il ne sait pas ce qui est bien ou ce qui est mal. Il se contente d'analyser et il n'a pas à être pessimiste ou optimiste. Maintenant seulement, comme je suis sorti du livre, je commence à me poser des questions sur qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut en faire, des questions d'ordre citoyen. Mais le livre n'est pour moi ni optimiste ni pessimiste. D'ailleurs, enfin, la défaite, quand même, ça n'est pas très gai. C'est-à-dire, je fais partie des gens défaits en tant qu'occidental, mais, je veux dire, si vous faites... je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours Vercingétorix en tête en ce moment... Et donc, c'est toujours la comparaison d'Alésia. Bon, Vercingétorix a subi une défaite, c'est très triste pour lui. Mais l'historien qui travaille sur la conquête de la Gaule, qui lit Jules César, ne se demande pas si c'est triste ou pas triste. D'ailleurs, il saute directement, en principe, s'il est sain de corps et d'esprit, il passe directement à l'étude des conséquences, la romanisation de la Gaule, les gallo-romains. Vous voyez, on est dans ces séquences comme ça. Et pour moi, c'est ça, c'est que les gens ne comprennent pas. Donc, et l'important, donc, ça n'est pas dans ce livre qui explique. En vérité, la défaite de l'Occident, ça n'est même plus une prédiction. C'est-à-dire, quand j'ai travaillé sur le livre... Ça pouvait être une prédiction. Si le livre qui était fini un peu plus tôt était sorti plus tôt, ça aurait pu être une prédiction. Mais actuellement, la défaite de l'Occident, c'est-à-dire la défaite, je dirais, des Américains en Ukraine, par incapacité à fournir du matériel, c'est le présent que nous sommes en train de vivre. Donc en fait, le livre qui avait été écrit comme avec une intention prédictive... sort comme une explication de ce qui se passe effectivement. Vous voyez, vous connaissez, vous en entendez beaucoup ces dernières semaines, et ce n'est pas l'intention de charger la barque, pas du tout. C'est pas avec cet esprit que je viens à votre rencontre. Mais vous connaissez les objections multiples qu'on peut formuler, ne serait-ce que celle-ci en tant que citoyen lambda. C'est que, après tout, en juin 40 ou même en septembre 40, on pouvait dire que le Troisième Reich avait gagné, que les démocraties avaient perdu. Oui. Et le propre d'une démocratie, c'est de disposer de ressources dont les systèmes de dictature ne peuvent pas disposer. Eh bien, je suis content que vous me rappeliez mes propres mérites. Et mais oui, mais oui. Ma modestie. Vous voyez que je viens avec des bonnes intentions. Et si le livre décrit au présent et explique au présent. L'incapacité de l'armée ukrainienne à vaincre l'armée russe, tout simplement parce que, je dirais, les États-Unis et les Européens n'ont pas été capables de leur fournir assez d'armes,
eh bien, l'essentiel du livre. Le livre est, comment dire, sa construction est très simple. Hein. Peut-être je pourrais le dire pour. Vous pouvez le faire pour les auditeurs. Pour oui. que les auditeurs s'y retrouvent. Nous suivent, oui. Parce oui. que c'est très sympa de dire oui, quand je fais de la recherche, ce qui est bien, c'est les accès dépressifs. Mais enfin, il s'agit quand même d'un livre qui peut intéresser des gens et qu'il faut respecter, sans être narcissique. Donc, le livre est en fait. Il part du constat de la guerre, des surprises de la guerre, etc. C'est-à-dire la résistance de l'armée ukrainienne qu'on n'attendait pas, la résistance de l'économie russe qu'on n'attendait pas, l'excitation militariste du Royaume-Uni qu'on n'attendait pas, la façon dont l'Allemagne et la France se sont littéralement couchées ou vaporisées en termes, je dirais, d'autonomie diplomatique. Mais la façon de comprendre ça pour le livre est de parcourir l'ensemble du monde développé, d'une certaine manière. Je parle de la Russie. Je parle de la Russie, et là, on va pouvoir comprendre, oui. par exemple, la résistance russe. Donc, mais il faut revenir à la notion de défaite, hein, là, pour le coup, je vous y ramène, si vous voulez bien. Non. Je voudrais vraiment décrire le fonctionnement. J'ai compris. Donc, je décris la Russie. Je mesure son retour à la stabilité, à la sécurité et à un certain type de dynamisme économique sous Poutine, avec ses problèmes démographiques. Ensuite, je passe à l'Ukraine. Je montre la réalité de l'Ukraine, qui n'est pas du tout une démocratie libérale. Et j'essaie de comprendre pourquoi l'Ukraine ou comment l'Ukraine a trouvé dans la guerre sa raison d'être, d'exister. Ensuite, je passe aux anciennes démocraties populaires, un sujet qui, en général, n'intéresse pas beaucoup les Français, mais moi qui me passionne. Vous êtes sévère quand même. Non, les gens ne connaissent pas les différences entre la Pologne et la Hongrie, des choses comme ça. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Tenez, fréquence protestante. Ils ne savent pas que le calvinisme a survécu en Hongrie. Mais vous ne pouvez pas dire ça. On en parle à tout bout de champ. Vos auditeurs. Mais. Oh, mais les auditeurs de fréquence sont passionnés. Il y a pas de problème. Là, on est. Ah, je veux dire, vous voyez. Mais la plupart des Français. Moi, si vous voulez, à titre personnel, je sais que Théodore de Bèze a succédé à Calvin à Genève. Ça, je peux vous le faire. C'est un bon point, on vous garde. Et je ne suis pas d'origine protestante. Mais moi, je suis fasciné depuis toujours par le protestantisme. Mais les gens ne savent pas que 20% de la population hongroise était calviniste, en fait. Et pour la raison tout à fait bizarre aujourd'hui, c'est que la conquête ottomane avait mis à l'abri une partie de la Hongrie de la contre-réforme catholique. Bon, et alors ensuite, je veux dire, le calvinisme, on retombe dans le sujet du livre, le calvinisme, le protestantisme en général. Ah oui, c'est mais ça, on va reparler, attendez. Je veux dire que les gens ne. Comment dire et donc on a là une clé d'explication du dynamisme spécifique de la Hongrie et sans doute d'une partie de ses malheurs historiques. Il n'y a pas la même chose en Pologne. Bon, donc j'ai un chapitre sur les anciennes et sur leur russophobie qui met d'ailleurs à part la Hongrie, qui n'est pas du tout un truc sorti de l'histoire depuis longtemps. Je montre que c'est récent. Ensuite, je travaille sur ce que j'appelle le suicide de l'Europe. J'ai un chapitre sur Grande-Bretagne, les pays scandinaves, et j'en arrive à ce qui est pour moi le cœur de la crise et le lieu de la défaite. Quand je veux dire, la défaite de l'Occident, pour moi, fondamentalement, ce n'est pas une défaite face à l'armée russe. C'est le vainqueur de l'Occident, c'est l'Occident. Oui, vous n'imaginiez quand même pas que l'Ukraine allait vaincre la Russie. Mais le Pentagone, si. Les gens du Pentagone qui ont concocté la contre-offensive de l'été pensait sincèrement qu'avec pas assez d'armes et sans couverture aérienne, les troupes ukrainiennes allaient atteindre la côte, percer des défenses russes, etc., comme si l'armée russe était l'armée irakienne ou quelque chose comme ça. Donc, mais ça, c'est très intéressant. Mais pour moi, le cœur du livre, vraiment, est la défaite de l'Occident, c'est la défaite des États-Unis, et c'est l'implosion
de la première puissance mondiale. Je ne sais pas si on doit dire notre leader ou notre maître plutôt, parce que moi je pense que l'OTAN n'est plus du tout là pour protéger l'Europe, mais pour la contrôler. Mais, et donc j'ai trois chapitres sur les États-Unis. Et j'en reviens maintenant, puisque vous avez exigé de moi que je... Que je refasse mon numéro de prophète, c'est-à-dire de lire dans l'avenir. Et vous disiez très justement, vous évoquiez le fait que la défaite de la France en 1940 n'était pas la fin des choses. Et effectivement, en 1940, la production industrielle mondiale, on voyait que les États-Unis, potentiellement, c'était 45% de la production industrielle mondiale. Donc il était sûr que le jour où les États-Unis rentreraient en guerre, c'était terminé pour l'Allemagne. Je peux vous dire, à l'époque, la famille de ma mère était réfugiée en Californie, aux États-Unis, et le jour de Pearl Harbor, ils étaient très tristes pour leurs amis américains. Mais ils savaient que c'était le début de la fin pour Hitler. Ils pleuraient de joie, parce que ça voulait dire que l'Amérique allait rentrer en guerre, et que, en fait, c'était en un certain sens terminé, malgré toutes les souffrances qui restaient encore à venir. Aujourd'hui, et là justement, c'est là qu'est le problème. C'est que, justement, ces ressources, le côté arsenal des démocraties, etc., cette ressource industrielle américaine, a été détruite par le néolibéralisme. Et donc, maintenant, l'Amérique est un... si on ne prend même pas la production industrielle, mais la production de machines-outils. Les machines-outils, c'est l'industrie de l'industrie. Hein. Bon, oui. Les États-Unis, actuellement, ils sont juste derrière l'Italie pour la production de machines-outils. Donc on va trouver 25% de machines-outils produits par la Chine, 21% par le monde germanique. J'allais dire, heureusement qu'il y a les Allemands encore. Les Allemands, les Suisses et les Autrichiens, qui sont assez groupés en fait sur le plan industriel. Je ne sais plus si le chiffre est pour le... Je laisse le plaisir de la découverte du chiffre pour le Japon. Oui, il ne faut pas tout dire. Dans le livre, je ne l'ai plus en tête exactement à la seconde, mais c'est autour de 15% ou quelque chose comme ça. Et donc là, cette puissance industrielle n'est pas là. Donc ça veut dire que c'est un peu plus long, mais et là où le livre devient prédictif, c'est qu'il permet d'expliquer pourquoi le processus de déclin n'est pas réversible. C'est ça le problème. Moi, j'ai longtemps espéré, dans ce livre Après l'Empire que j'avais écrit il y a 20 ans à peu près, à l'époque où tout le monde pensait que l'Amérique était une hyperpuissance invincible, je disais, pousse, non, pas vraiment. Regardez le commerce extérieur, regardez la vastitude du monde qu'il s'agit de contrôler. C'est pas possible. Mais à l'époque, je pensais que l'affaiblissement américain, y compris éducatif, était réversible. Il y a un espoir, en tout cas. Il y a un espoir. Mais là... j'ai creusé plus profond, si on peut dire, en termes de variables explicatives, et j'arrive à la conclusion que le déclin n'est pas réversible. Et parce que, il y a déclin industriel, derrière le déclin industriel, déclin éducatif, avec une capacité de plus en plus faible à fabriquer des ingénieurs. Parce que le métier d'ingénieur ne paye pas aux États-Unis. Ce qui paye, c'est les métiers qui rapprochent de la fabrication, non pas des biens, mais du dollar. Cette tertiarisation dont on parle même pour l'Europe. Formation commerciale ou juridique, toutes choses qui vont dans le produit intérieur brut, mais qui ne représentent aucune vraie valeur. Mais ce que je cible dans la détresse américaine, c'est la disparition complète, et là je parle pour vos auditeurs, de la matrice protestante. Alors ça, je veux qu'on en parle. Là, le dynamisme, le livre est une sorte de suite à Max Weber, l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. Dans l'esprit de Weber, l'ascension de l'Occident, c'était quelque chose qui découlait des valeurs et de l'efficacité morale du protestantisme. Je suis un Weberien hérétique, moi, si on peut dire,
votre présence. Vous aimez les protestants, mais avec des nuances. Mais c'est pas ça. Mais c'est pour moi. Je crois que j'ai dit tout à l'heure, l'important dans le protestantisme, c'est que il exige l'accès direct des fidèles à l'Écriture, et indépendamment de l'intercession du prêtre, et donc que le protestantisme, qui n'avait Luther et Calvin n'avaient pas du tout en tête le développement industriel. Ils se posaient la question du salut et de ces choses. Mais le simple fait de fabriquer des populations complètement alphabétisées a produit des sociétés d'une efficacité jamais vue dans l'histoire. Alors il faut que je vous pose des questions quand même, Emmanuel Todd, sinon vous faites une conférence, il faut de temps en temps que je puisse intervenir. Que je suis très bavard. Non, mais c'est une joie de vous écouter, non, ne vous méprenez pas. Deux, trois choses à propos du protestantisme. Tout d'abord, vous dites, mais vous venez de le réaffirmer, que le protestantisme exige... Je dirais plutôt qu'il propose à tous de lire la Bible et pour cela, effectivement, il encourage l'éducation, l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Bon, formidable. Mais un peu plus loin dans votre livre, vous avez une formule qui m'a heurté. Vous dites que le protestantisme considère que tous les hommes ne sont pas égaux. Oui. Or, c'est un peu contradictoire parce que si on encourage la lecture et l'analyse de l'écriture, de la Bible, c'est bien pour promouvoir une certaine égalité. Eh bien, j'avais noté ça. C'est quelque chose que j'avais étudié tout à fait en détail dans un livre qui s'appelle « L'invention de l'Europe ». Dans lequel il y a peut-être le travail le plus sérieux que j'ai fait, j'ose pas parler de théologie, mais je me souviens que j'avais été, pour le faire, consulter le dictionnaire de théologie catholique, mais que j'avais été le consulter dans cette institution d'études protestantes qui est du côté du boulevard Arago. Ah oui, alors, l'Institut protestant de théologie. Mais alors là, c'était protestant, c'était pas catholique. Oui, alors, mais parce que c'est là que j'avais consulté le dictionnaire de théologie catholique. C'était près de chez moi. C'était Là, vous êtes contrariant. Non, il y a un très joli petit amphithéâtre dans mon souvenir là-bas. Mais tout à fait. Voilà, c'est absolument. Oui, c'est très, très, très charmant comme endroit. Mais en gros, j'étais arrivé à l'idée d'une sorte de contradiction symétrique. Qui entre le protestantisme et le catholicisme contre-réformé, puisque le catholicisme tridentin, voilà, d'après la réforme, n'est plus celui d'avant. C'est quelque chose qui s'est redéfini contre. Et donc j'avais les notions, j'opposais des dimensions terrestres et métaphysiques, et je disais que sur le plan des conceptions terrestres, qui était le rapport du prêtre, plutôt du fidèle au prêtre, le protestantisme était fondamentalement égalitaire et démocratique. Ah, quand même. Mais qu'il y avait une autre dimension, qui était la dimension métaphysique, c'est le destin ultime, qui était inégalitaire, parce que la doctrine de la prédestination... est fondamentalement inégalitaire. Mais vous savez... elle n'est plus opérante depuis des siècles. C'est vraiment dans la matrice. Mais alors vraiment, je m'étais cassé la tête là-dessus. Et je me suis appuyé la lecture. Il n'y a pas de problème avec le calvinisme, avec l'Église réformée, puisque Calvin a donné un niveau de systématisation absolu. Avec la double prédestination, ça a été repris tel quel par Théodore de Bèze sans discussion. Chez Luther, j'ai trouvé des gens pour discuter ça chez Luther. Donc je ne sais plus si je suis allé lire, c'était le traité du serf-arbitre, je crois, de Luther. Non, je me suis donné du mal. Mais je vous crois. Non, vraiment. Et puis, je ne joue jamais aux échecs contre Kasparov, alors je ne vais pas chipoter. Non, mais c'est pour ça, parce qu'il faut que je le dise à fréquence protestante. Oui, c'est important. Et d'ailleurs, à l'époque, j'étais... moi, je pense qu'il y a une personnalité protestante. J'étais vraiment impressionné... je ne parle pas des protestants d'aujourd'hui, mais des protestants de la grande époque, si on peut dire. Comment ça, on n'est plus dans la grande époque ? Vous n'avez pas... les protestants actuels, en France, en tout cas, ne sont plus porteurs de cette espèce d'anxiété, se demander s'ils sont élus ou damnés. C'est exact. Pensent que le succès, que leur travail
je sais pas, ne se rendent pas compte que... est une source d'accomplissement de soi. Oui, c'est ça, mais ne voient pas que c'est leur inconscient qui les fait s'agiter comme des fous pour constater ensuite que leur succès terrestre semble indiquer qu'ils sont élus plutôt que damnés. Ah, il y a un fond culturel chez les protestants français qui perdure. Hein. Et moi, j'étais... je me souviens très bien qu'il y a une époque, en rigolant, je disais... Il y a toutes les religions dans ma famille. Hein. Je veux dire, la question du croisement à l'origine, voilà, elle vient de là. Hein. Voilà. Donc il y a un côté, la dominante est juive, mais moi je suis baptisé catholique. C'est un peu. Mais mon grand-père, Paul Nizan, c'était des Bretons, donc c'était des catholiques. J'avais une grand-mère anglaise qui devait être protestante à l'origine. Donc, peut-être anglicane. Oui, elle était surtout communiste quand j'étais jeune. Mais, il y a une époque où je me disais, non mais. C'est affreux, la religion dont je me sens le plus proche, au fond, c'est le protestantisme. Et je concluais, je suis donc rudement soulagé de ne pas être croyant. Mais au contraire. Parce que c'est quand même une religion terrible. Donc, mais je résume, quand même, pour revenir à... Oui, résumez, s'il vous plaît. C'est-à-dire, protestantisme, vous avez composante terrestre égalitaire, composante métaphysique inégalitaire. Hein ? Bon. Voilà. Et pour le catholicisme, vous avez une composante terrestre inégalitaire. Et métaphysique égalitaire. C'est ça que vous dites. Non, ça fonctionnait bien. Oui, voilà. Ça fonctionnait bien, sauf mais si que... Mais pour... Il faut que j'intervienne, pardonnez-moi. Oui, pardon. Sinon, je ne peux pas poser de questions. Oui, oui. Quand même... Je sais que je suis insupportable. Non, vous n'êtes pas insupportable. Là, vous êtes tombé sur un sujet qui m'intéresse trop. Donc, mais je le sais, mais vous savez, ça intéresse trop aussi les auditeurs de Fréquence protestante, hein, évidemment. Oui. Non, et juste une question à ce sujet, c'est que, vous l'avez dit vous-même, les choses ont changé. Oui. Et si les protestants français sont moins anxieux, n'est-ce pas? Et ça, c'est vraiment une question que je voulais vous poser, parce que la société française, déchristianisée, désacralisée, comme on voudra, est peut-être plus attentive à des principes ou des inclinations protestantes qu'elle ne l'a été, Emmanuel Todd. Non, on sort de l'axe de mes préoccupations intellectuelles, et pire, on sort de l'axe du livre. Donc, mais on y reviendra, c'est promis, ce que sont les croyances religieuses aujourd'hui dans leur rapport à la société, j'en sais trop rien. Ce qui est clair, c'est que pour comprendre l'effondrement intérieur des États-Unis et donc de l'Occident, je dois comprendre ce qui est arrivé à cette dominante protestante qui avait donné son dynamisme ou leur dynamisme aux États-Unis. Et donc, je définis trois états de la religion. Un état actif, où les gens croient en Dieu et tout ce qui va avec. Un état zombie. J'avais fait ça avec Hervé Lebras dans un autre livre. Les cathozombies de l'Ouest. Hein. Et je me suis... Qu'est-ce que c'était ? C'était... l'état zombie de la religion, c'est une situation dans laquelle les gens ne croient plus, en fait, en Dieu, ne vont plus à l'office dominical, mais continuent de se comporter sur le plan moral et social selon les règles venu de la matrice religieuse. Donc avec une moralité, un rapport de l'individu au groupe, au travail, etc., qui n'a pas tellement changé. Et d'ailleurs, dans cette phase intermédiaire, des idéologies de remplacement, de substitution, apparaissent, qui se pensent être différentes de la religion, mais qui n'en sont que des inversions. Donc l'église, le truc classique, ça serait l'Église catholique qui s'effondre dans le bassin parisien et sur la face méditerranéenne, mais où bon, il y a la Révolution française, la Nation... plus tard, la banlieue rouge. La banlieue rouge, le Parti communiste, etc. Donc et la Suisse est un pays encore de culture protestante, alors que les protestants, depuis une belle lurette, sont minoritaires en Suisse. Oui, il y a des cantons catholiques aussi. Ce que les gens ne savent pas, en général, c'est que en Suisse, le protestantisme est proportionnellement plus fort dans les zones francophones.
Oui, je tiens. Je suis comme un bon élève qui veut montrer à ses auditeurs protestants qu'il est au niveau. Mais voilà. Voilà. Donc, pour revenir au livre, vous voyez, donc, c'est moi qui le dis. Hein. Oui, et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas les formes tardives des prises par les religions, par exemple. Les gens vivent avec l'idée que le protestantisme a repris de la force grâce au mouvement évangélique aux États-Unis. C'est une remarque souvent formulée. Voilà. Et ben moi, j'ai bien lu et compris, me semble-t-il, un livre d'un très bon éditorialiste et essayiste du New York Times. C'est leur conservateur intelligent, Ross Douthat. Alors, je ne sais pas comment ça se prononce, c'est D-O-U-T-H-A-T, mais lui-même, dans un livre, quelque part, dit que les Américains non plus ne savent pas prononcer son nom. Ah, bon. Donc, je ne me sens pas particulièrement coupable. Un livre qui s'appelle Bad Religion, How We Became a Nation of Heretics, donc, la mauvaise religion, comment nous sommes devenus et une nation d'hérétiques, et où il montre que les formes récentes de la vie religieuse ne sont plus les formes anciennes, et que les protestants américains, je veux dire, le Dieu de la Bible n'est pas un type sympa qui vous distribue des bonus financiers. On peut tomber là-dessus. Ça évoque pas du tout la Genève de la fin du XVIe siècle. Nous sommes d'accord. Voilà. Donc, c'est pas la vraie religion. Je reprends. État actif de la religion, État zombie, dans le cas des États-Unis. Ça donne, pour moi, l'état zombie du protestantisme, ça donne une sorte de moment central dans l'histoire américaine qui va de Roosevelt à Eisenhower, dans lequel elle est une grande puissance industrielle, elle a le niveau éducatif le plus élevé du monde occidental, elle a même décollé par rapport au reste du monde protestant, parce qu'elle a développé l'éducation aux États-Unis, l'éducation secondaire a été développée dès l'entre-deux-guerres, à une époque où même dans les pays protestants européens, c'était verrouillé et réservé à une élite. Et Eisenhower s'est converti au protestantisme, comme les auditeurs de Fréquence protestante l'ont appris il y a quelques jours. Très bien, honnêtement, je ne le savais pas. Et à l'époque, il y avait une classe dirigeante américaine. L'Amérique était déjà très diverse sur le plan dans sa composition ethnique et religieuse. Il y avait des catholiques, il y avait des juifs, etc. D'Europe centrale, pour les catholiques, c'était irlandais, italiens, et tant d'autres. Mais la classe dirigeante, ainsi que l'a montré le grand sociologue critique américain C. Wright Mills, dans L'élite du pouvoir, un livre qui a été traduit en français, à l'époque c'était Maspero, donc ça doit être la découverte maintenant, était un monde extrêmement étroit et homogène, les WASP, et les WASP d'en haut, c'est-à-dire donc un monde protestant très homogène. La haute société protestante, pourrait-on dire oui, en on France. Pourrait dire, oui, je n'avais pas pensé comme ça. Mais c'est dire, ainsi qu'on parle chez nous. Oui, donc nous parlons donc de la HSP américaine. On pourrait le dire comme ça. Et donc, qui avait pour particularité d'avoir ses petits défauts, mais une conscience élevée de ses devoirs. Merci de le dire. Et donc, qui gérait l'Amérique, dans un état d'esprit bien commun, etc. Avec, pardon de cette parenthèse, mais des traductions des pièces de Shakespeare et de la haute culture anglaise dans les langues italiennes, irlandaises, pour que tout le monde puisse y accéder. Oui, c'est voilà. Mais il y avait aussi quand même l'idée d'américaniser tout le monde. Et ce qui est très important pour comprendre ce qui se passe aux États-Unis maintenant, c'est que cette culture centrale directrice, même s'il ne représentait pas techniquement, théoriquement, l'ensemble du pays, a disparu. C'est-à-dire que c'est pas simplement que le niveau de pratique religieuse a baissé, c'est que ce groupe dirigeant central, WASP, a disparu. Et j'avais eu une fantastique discussion avec Peter Thiel. Vous savez, c'est ce milliardaire de la Silicon Valley, c'est l'un des types qui a fondé PayPal. Le pauvre homme. Voilà, et qui passait à Paris pour faire
une conférence, un colloque, René Girard, je crois. Non, voilà. Très bien, soit. J'imagine qu'il l'a eu comme prof à Stanford ou un truc comme ça. Et ensemble, on avait fait le comptage par origine ethno-religieuse, religieuse plutôt, des membres du gouvernement Biden. Il n'y a pas de protestants, en fait. Alors, je revois Thiel me disant... Jake Sullivan, c'est le conseiller à la sécurité. Non, il est d'origine irlandaise. Ça ne fait pas très protestant, ça, vraisemblablement. J'ai vérifié depuis. Et donc, on a un groupe qui est très, très atomisé. C'est en un sens admirable. Je veux dire, de toute façon, si Trump revient au pouvoir, il y aura des gens nominalement protestants, évidemment, puisque le Parti républicain... N'en parlons pas trop, s'il vous plaît. Pour moi, je ne fais pas la différence. Pour moi, c'est la menace américaine dans son ensemble. Et donc... Vous ouvrez encore une porte. Voilà. Et donc, comment dire, c'est en un sens admirable. C'est-à-dire, par exemple, vous parliez tout à l'heure de « Ah, votre livre est-il pessimiste, etc. » C'était une question. Et donc, je dis, je vais vous retoquer à la fois sur ça et sur la question de l'inégalitarisme protestant. J'attends avec intérêt. Voilà. Et donc... Quand j'étudie le déclin du protestantisme aux États-Unis, oui. Eh ben, ça me permet de comprendre qu'il n'y aura pas de redémarrage économique ou industriel réel aux États-Unis, que la crise est beaucoup plus profonde parce que le dynamisme protestant n'est plus là. Mais je dis aussi que dans la mesure où l'inégalitarisme protestant était aux États-Unis, incroyablement lié au racisme anti-noir, je veux dire, la disparition de la matrice protestante nous permet de comprendre l'effondrement d'un certain type de racisme anti-noir. J'ai pas dit de la ségrégation, parce que les Noirs sont coincés en bas de l'échelle sociale, mais ils sont tout à fait normalement représentés au Congrès, surreprésentés au gouvernement, et ça, je dirais, c'est aussi... Donc, vous voyez, je veux dire, ça a des conséquences... positive, ça a des conséquences négatives, et un historien peut examiner les deux sans s'évanouir. Bon, je ne me suis pas encore évanoui, mais c'est normal, je suis là pour poser des questions. Ouais. Et là, vous venez savez, d'ouvrir... Les protestants français. Attendez, oui. Juste, oui. Vous ouvrez encore des portes et je suis obligé, de, oui. Non pas de les fermer, mais de regarder la montre et de me oui. dire bon sang de bonsoir. Merci d'avoir dit les protestants français, parce que justement, une des caractéristiques de votre livre, c'est de n'en pas beaucoup parler. Alors je comprends, vous parlez de l'Ukraine, de la Russie et des États-Unis. Vous ne parlez pas des Cévennes et vous ne parlez pas du renouveau protestant en France. Ce renouveau, il existe tout de même. Non, vraiment, là... Ah, il ne veut pas le voir. Mais non, c'est pas que je veux pas le voir, c'est pas mon sujet, je suis pas compétent. Et quand je trouve que rester un chercheur, c'est accepter de ne parler que de ce qu'on connaît. Vous voyez, il faut pas... Je me souviens, j'avais été, pendant une période qui, de fait, a été très brève, dans une émission de Philippe Meyer à la radio, où on devait être, comme il disait, en rigolant... toutologue. On devait avoir une opinion sur tout. Et en fait, moi, je m'étais fait remarquer, et vite virer, j'étais fait virer, parce qu'il y avait des sujets, je disais, non, mais là, j'y connais rien, j'ai rien à dire, ça servait à rien, mais je vous le fais, là. Oui, je vous le fais. Oui, oui. Mais je vous remercie. Quand même, baliser, je veux dire, on a une conversation qui est plutôt souriante, mais ce qui se passe en Ukraine est abominable. Finissez, puis après je pose une question. Et ce qui se passe en Ukraine est abominable. Et je trouve que mobiliser 50 ans de recherche, passer 2 ans et demi à ramasser des données pour faire un tableau du monde qui permet de comprendre la guerre d'Ukraine,
c'est déjà pas mal comme boulot. Donc on peut pas, vous ne pouvez pas me reprocher de ne pas avoir de message sur le protestantisme français. Ah ben non, mais c'est parce que vous parlez du protestantisme américain, du protestantisme scandinave que je vous pose. Eux, c'est des protestantismes majoritaires. Oui. Si vous voulez, alors, c'est devenu le tissu même de la société. Le protestantisme français a pris des caractéristiques spéciales parce qu'il était minoritaire. Je vais vous donner... C'est exact. Je vais montrer que je suis bon garçon et que je peux rentrer dans votre jeu. Mais actuellement, donc, on a une vision... En fait, les protestants ont une image assez sympa et républicaine en France. Les deux vont ensemble. Je peux vous dire, si on pense à la fondation de la Troisième République, bon, il y a une composante laïque, et puis les minorités juives... et protestantes ont collaboré parce qu'ayant un statut de minorité, avec d'ailleurs des affections entre juifs et protestants qui venaient là. Je me souviens d'avoir entendu mon arrière-grand-mère évoquer, qu'elle prenait le thé avec les filles du pasteur Wagner. Vous voyez, donc je sais. Wagner, sans doute. Je sais pas. Pour moi, c'est des oreilles d'enfant. Hein. Bien sûr. Voilà. Non, c'est pas une critique. C'est voilà. Juste. Et donc, comment dire. Mais c'est très particulier, cette situation minoritaire. Parce que dans ces conceptions théologiques, en fait, le protestantisme français est dans la fraction prédestinationniste dure. Vous voyez, au départ, il y avait une croyance très très forte en l'inégalité, plutôt pire que le luthéranisme. Avait bien commencé, mais voilà. Mais c'est la France, c'est autre chose, une histoire très 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 particulière du protestantisme français, les guerres de religion, etc. La Suède, c'est un pays protestant. Homogène, complètement homogène. Dont la famille royale descend quand même d'un Gascon, ce qui n'est pas rien. Hein. Oui, c'est... voilà, bon. Mais sur autre chose. En fait, il y a une grande partie de la noblesse suédoise qui est d'origine étrangère. Mais je sais bien. Alors, Emmanuel Todd est là, s'il nous reste peu de temps. Et croyez que je le regrette, mais venez une seconde fois, ça nous fera très plaisir. Je voudrais vous poser une dernière question, car hélas, nous avons très peu de temps. Dans votre histoire, en tant que chercheur, puisque tout de même, vous avez plusieurs fois employé ce terme, qu'est-ce qui vous a surpris dans votre parcours personnel de chercheur que vous n'attendiez pas à l'origine lorsque, enfant à Saint-Germain-en-Laye, vous regardiez le vent dans les arbres ? J'ai fait beaucoup... Je voulais être historien à l'âge de 10 ans. C'est une sorte de vocation précoce qui doit tenir aux livres qui traînaient à la maison. J'avais un tempérament scientifique. Je voulais, mon père m'avait raconté ça une fois, trouver des trucs. Donc je voulais, c'était clair que j'étais parti pour faire une histoire explicative, un peu scientifique, lourde. Pierre Chaunu, qui m'avait énormément soutenu, disait que ma démarche était de type scientifique. Donc voilà, donc ça c'était le projet. Honnêtement, si je regarde maintenant, puisque c'est mon dernier bouquin, la seule idée qui me vient, c'est que j'ai fait beaucoup plus et mieux que ce que j'anticipais. Vraiment, je suis désolé. Hein. Ne soyez pas désolé de dire que vous êtes content. Voilà, et vraiment, je me dis, quand je vois la liste de mes bouquins, je me dis, quand même, j'ai bossé. Hein, j'ai bossé. Mais là, si vous voulez, le truc qui me vient en tête, c'est je vois... Je revois le film OSS 117, Rio ne répond plus. Et je vois les gens du Mossad qui regardent la stupidité de OSS 117, etc. Et qui lui disent, vous êtes bien OSS 117, le meilleur agent français. Et là, OSS 117 répond modestement, ça n'est pas à moi de le dire. Eh bien, merci beaucoup, Emmanuel Todd, de cette conversation souriante, comme vous l'avez dit. Je rappelle le titre de votre dernier livre, « La défaite de l'Occident », paru chez Gallimard, et
Espérons que ce ne soit pas vraiment le dernier et que vous soyez une sorte de Joséphine Baker de l'anthropologie. Oui, ou Michel Sardou. Mais vous savez, au Japon, où je suis très connu, j'ai une stature au Japon très supérieure à celle que j'ai en France, donc je me définis... Comme Mireille Mathieu, alors. C'est ce que je disais. Je suis le Mireille Mathieu des sciences sociales. Eh bien, voilà. Mais maintenant, si se pose la question du retour, je peux peut-être devenir le Michel Sardou des sciences sociales. Merci beaucoup, Emmanuel Todd.